Signifie être en union avec votre flamme jumelle. La première chose à savoir, que si vous êtes très émotif, vous pouvez rencontrer une flamme jumelle qui ne comprenait pas ses propres émotions. Mais, beaucoup d'entre vous savent cela, que dans le voyage de flamme jumelle, un jumeau peut être plus spirituel ou éveillé que l'autre. Donc, comment réagir si votre jumeau est inconscient ou non intéressé? Ni des âmes sœurs, ou amour spirituel, sans mentionner le terme flamme jumelle, qui peut lui faire peur. Si votre jumeau est de nature pragmatique, ne parlez jamais de la flamme jumelle avec lui. Vous pouvez dire que vous êtes très ouvert à la spiritualité. Et pourtant, vous êtes un couple ordinaire, et votre relation est comme le reste, comme tout le monde. Ayez confiance en son âme. Elle va vous aider en arrière-plan. L'âme est consciente de qui vous êtes vraiment. Mais, votre jumeau peut traduire cela par « Il est très amoureux de vous ». En cas de séparation, il peut être très confiant qu'il peut redémarrer sa vie d'une manière ou d'une autre. Sinon, si vous êtes en union en ce moment présent, c'est ordinaire que les premières étapes du voyage soient très différentes pour chacun de vous. L'amour de votre jumeau grandit plus profondément avec le temps. Il comprend que cela est lié à la confiance qu'il a pour vous. Vous, la personne consciente de cette connexion. Sachez que votre jumeau ne peut jamais aimer personne comme il vous aime. En cas où vous avez encore des doutes, cela signifie que votre éveil spirituel est encore non achevé. Vous devez guérir et apprendre à aimer vous-même. Après, vous allez sentir l'union intérieure. Vous n'allez jamais être un esclave de vos émotions. Mais, sans doute, que vous aimez votre jumeau comme au début. Votre amour ne changera pas. Être en union avec votre jumeau signifie ce voyage spirituel continue de se dérouler, le plus est toujours révélé. Vous allez remarquer que vous avez tellement évolué, indépendamment, mais ensemble simultanément. Vous êtes synchronisés. Vous ne gérez plus les déclencheurs et le doute. Vous avez mieux désapprendre la peur et accepter l'amour, etc. Comme les cordes d'une guitare, indépendantes les unes des autres, mais pincées ensemble. Quelque chose de nouveau et de beau créé. Vous continuez à équilibrer l'indépendance et l'intimité. Après tout, l'amour aspire à la proximité. Le désir se nourrit de distance. Vous faites de la place pour votre unité parce que vous avez réussi à recréer la distance pour laquelle vous avez travaillé si dur. Chacun d'entre vous va observer et expérimenter, lentement mais régulièrement, l'autre subir un changement psychique intérieur. Et une transformation positive. Vous les deux savez profondément que c'est un voyage et que la marche est intérieure. Et pourtant chacun veut montrer à l'autre, d'une manière directe ou indirecte, qu'il n'est pas seul. Vous devez savoir que la partie la plus attachante du voyage est de savoir que la transformation de votre jumeau est profondément en cours. Qu'il en soit conscient ou non, ce n'est pas la même personne que vous avez rencontrée au début. Tout comme vous non plus. Votre flamme jumelle est tellement plus qu'elle ne le saura jamais. Vous sentez que le chemin de vie est complètement si différent, mais toujours exactement le même.